situation exécutive de certaines initiatives nationales du secteur de la santé et des soins médicaux pour les citoyens. Il examine les résultats de la mise en œuvre des différentes initiatives présidentielles dans le cadre des efforts de l'État pour améliorer la santé publique. Célie Hamed et Shahinez Ismail avec les détails. Le président Abdel Fattah el-Sissi a donné ses directives d'optimiser l'utilisation des capacités de toutes les institutions du système médical, qu'elles soient affiliées au ministère de la Santé ou aux hôpitaux universitaires, afin de renforcer la pérennité des résultats de ces initiatives et d'améliorer les services de santé pour les citoyens. Le président el-Sissi a exigé la poursuite des phases de mise en œuvre du système, comprenant tous les gouvernorats de la République, pour fournir la couverture sanitaire à tous les Égyptiens avec les plus hauts niveaux d'efficacité et de qualité. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a adressé ses remerciements au président égyptien Abdel Fattah el-Sissi pour avoir parrainé l'initiative 100 millions de citoyens sains visant à éradiquer l'hépatite C et les maladies non transmissibles. Dans une conférence de presse à l'issue de son entretien au Caire avec le président el-Sissi, M. Adhanom a dit avoir examiné avec le chef de l'État les moyens de tirer profit de l'expérience égyptienne pour dispenser des soins de santé dans le continent africain, affirmant par ailleurs avoir constaté l'engagement sans faille du gouvernement à poursuivre les initiatives visant à améliorer la santé du citoyen. Il a précisé que sa visite au Caire avait pour objectif d'annoncer les résultats de l'évaluation de l'OMS, des initiatives de santé lancées par l'État égyptien, qualifiant la campagne 100 millions de citoyens sains de la plus grande sur le plan mondial, sachant qu'elle a permis d'examiner 60% de la population égyptienne, évoquant la fierté de l'OMS d'accompagner cette campagne qui œuvre au dépistage du virus C, mais aussi des maladies non contagieuses comme le diabète, l'obésité et l'hypertension. Le responsable de l'OMS a également loué la campagne du gouvernement égyptien pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus et qui cible cette année 28 millions de femmes. L'OMS avait opéré une transformation qualitative dans la mise en œuvre des programmes de santé publique en Égypte et soutenait l'initiative 100 millions de citoyens en bonne santé et toutes les autres initiatives qui en sont issues sous les auspices du chef de l'État Abdel Fattah el-Sissi en présentant le soutien technique nécessaire en coopération avec le ministère égyptien de la Santé et de la population. Et nous avons en ligne Dr Mustapha Tamem, économiste, pour parler des investissements dans le domaine sanitaire en Égypte. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, docteur, tout à l'heure dans le reportage, on a vu que les investissements dans le domaine de la santé en Égypte avaient augmenté de 300 fois depuis 2013. Comment est-ce que cela se reflète sur le secteur de la santé? Certainement, ça donne une indication que le gouvernement et peut-être le président donnent beaucoup d'importance pour le domaine de la santé. Et certainement, on avait beaucoup de projets que, comme les 100 millions santé qu'on a vu depuis peut-être 2-3 ans et des autres projets aussi dans les villages pour élever la santé. Et ça, c'est très, très important parce que, à part de ces projets-là, ça va élever les ressources humaines. Et ça va peut-être donner beaucoup de chances pour élever l'économie, certainement, si là, on a une bonne santé. Mmh. Et l'assurance médicale en Égypte, vous pensez que cela va contribuer à améliorer l'économie en Égypte ou bien cela va donner un coup à l'économie? Non, certainement, ça va élever l'économie parce que certainement, maintenant, ça va encourager, premièrement, ça va encourager beaucoup de citoyens pour si on va aller, ils sont pas très bien, on a mal, on va aller immédiatement à ces hôpitaux-là. Numéro deux, certainement, ça va, on donne beaucoup
d'importance parce que ça ne va pas coûter beaucoup. Parce que, comme vous savez maintenant, les hôpitaux, les médecins, tout ça, c'est très, très cher et peut-être beaucoup de citoyens ne peuvent pas afforder ça. Alors, certainement, ce projet est très, très important. Ben justement, pour ces services qui coûtent très cher, ces services privés, il n'y a pas de contrôle sur ces services de la part du ministère de la Santé, par exemple? Malheureusement, sur le secteur privé, il n'y a pas de contrôle. Et ça, peut-être dans le secteur public, dans les nouveaux projets que le gouvernement fait, certainement, il y aura beaucoup de contrôle et ça va donner beaucoup de services pour les citoyens dans le domaine de la santé. On l'espère bien. Docteur Mostafa Tamem, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et on prend une petite pause avant de nous quitter.